plus et toujours je m'en fous. Je serai la femme d'un homme riche, un point c'est tout. Marie-Jeanne s'est mariée avec un oiseau. Pour sur pattes, pas un cheveu sous le chapeau. Trois enfants dont deux sont complètement idiots. Des beaux parents qu'elle a toujours sur le dos. Je ne donnerai jamais pour de l'or le corps que ma m'a fait. Marie-Laure est déjà trois fois divorcée. Trois maris qu'elle a complètement déglingué. Elle qui voulait toujours aimer pour aimer. La Marie-Laure touche des pensions insensées. Juré de vivre avant la vie, tout ce qui le plaît ressemble à la folie. On finirait par se ranger, mais plus tard, l'important pour nous c'était de tout savoir. De chasser la nuit le démon des dortoirs, de chasser la nuit le démon des dortoirs. Les Marie-Laure, les Marie-Jeanne, dans la fumée de ma gitane, que sont leurs d'ailleurs, où sommes-nous tous allés? Nos rêves nous sont-ils arrivés? Est-ce que nos rêves se sont perdus? Ou bien avons-nous disparu? Peur de tout, de rien, qui pensait que tous les hommes étaient des chiens, obsédés par des pensées toujours obscènes. Marie-Pierre en a recueilli des dizaines, pour une heure, pour une nuit, pour une semaine, difficile de les garder au bout d'une chaîne. Roberta, le numéro 90, la meilleure ailier des Yankees de Phoenix. Roberta était une montagne. Un volcan qu'on ne pourra jamais oublier. L'Himalaya de nos fantasmes inavoués. Il paraît qu'elle serait heureuse et mariée. Les Marie-Laure, les Marie-Jeanne, dans la fumée de ma gitane, que sont nos amours devenus? D'ailleurs, où sommes-nous? Nos rêves nous sont-ils arrivés? Est-ce que nos rêves se sont perdus? Ou bien avons-nous disparu?